Yo les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter ma map cache-cache. Donc comme j'ai eu un code créateur, eh bien je peux publier des maps. Donc voilà, je vais vous la présenter. Donc là le spawn, donc tout le monde spawn ici. Le chercheur ouvre le coffre, il a l'arme, il compte pendant une minute, mais après si vous voulez que ça soit plus, vous pouvez. Donc voilà, après on sort, donc la map est comme ça. Donc c'est une cabane dans les arbres et avec une sorte de ferme derrière, enfin en bas. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Donc là c'est le restaurant avec la petite boîte de nuit derrière. Donc petite cachette ici, elle est très bien. Personne ne vous trouve à chaque fois. C'est ici là. Comme ça. Et là, personne ne vous trouve pratiquement. Après, petit logement, enfin une chambre. Donc on peut se cacher derrière les armoires. Petit... aussi une chambre avec étage. Donc ça, c'est pas très bien fait parce que les planches sont très dures à manier. Et au-dessus, on arrive dans une sorte de tipi. Donc je vais vous montrer un petit passage secret qui arrive là. Donc, et là vous arrivez pour où il y a, donc là on peut monter aussi par là. Donc vous arriverez dans le passage secret. Et le passage secret il mène où il y a les réservations de restaurant. Donc ici. Et au-dessus c'est pour se cacher encore basique, genre c'est basique mais on peut bien se cacher, genre on peut se mettre ici, enfin voilà, il y a pas mal de cachettes. Après ensuite en bas bah il y a un jardin, donc voilà, là il y a des cachettes, là il y a le pneu pour partir comme ça, et là on active notre planeur. Là il y a les maisons pareil. Je vais pas vous dire toutes les cachettes parce qu'il y a pas mal, pardon. Il y a pas mal. Donc voilà. Là il y a la ferme. Et voilà. Là après bah on a la maison principale. Donc voilà. Là on peut se cacher derrière ça. En dessous l'escalier, ça marche bien aussi parce que les gens s'y attendent pas. Donc voilà, j'espère que vous utiliserez cette map. Et je pense que je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Le code, pardon, pour la map. Donc voilà, salut!